Salut et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, un petit peu de news de la chaîne et le résumé de mon week-end chez Pascal Breaking Normalité. Et oui, vous avez vu, on a fait un super live avec Pascal. De ce côté, quelques petits problèmes techniques, du mien, un son pas terrible, mais on a fait le premier live en simultané sur nos deux chaînes en même temps. Je pense que c'est une première, c'était sympa. Alors, pour ceux qui connaissent pas Pascal, Pascal a une chaîne qui s'appelle donc Breaking Normalité, la rupture de la normalité. Il nous explique un peu comment se former, le savoir par rapport à la rupture de la normalité, mais aussi le maintien en forme pour le cas où, la preuve en est avec le Covid. Il nous a fait une super série de indirect live où tu voyais un peu sa vie au jour le jour. Sa femme et lui font un super potager aussi. C'est eux qui m'ont donné envie de faire des tours à patates. Je vous mets de toute manière le lien de sa chaîne et de JCB Survivaliste aussi dans la description. Allez voir ces deux chaînes, abonnez-vous à ces deux chaînes. Ça manque pas d'intérêt. On a été reçus chez Pascal, mais comme des rois. Des petits cadeaux d'un côté, des petits cadeaux de l'autre. On s'est échangé des choses. Ça fait plaisir. Ils sont tous les deux comme en vrai, dans leurs vidéos, quand on les voit en randonnée, Pascal, il paraît pas comme ça, mais franchement, il en connaît sur plein de choses. Donc, on a discuté, rediscuté, rediscuté. Et ça, c'est toujours, enfin, c'est un plaisir d'être avec eux, franchement. On s'est donné une date en août pour que eux puissent venir aussi. On fera certainement peut-être une vidéo randonnée nuit ou quoi. On verra, parce que ça sera pas chez moi. Mais on verra un peu comment ça va se goupiller. On a tourné une vidéo avec lui aussi quand on était sur place. Alors vous verrez, ça parle pas d'armes. Je laisse le sujet, c'est lui qui va dévoiler tout ça. J'ai rencontré aussi son pote Noël, vous le connaissez, c'est un des barbus quand il va au stand de tir. Et on se connaissait pas avec Noël, on s'était eu une fois au téléphone pour parler un petit peu des moules à slug que je leur ai prêtées. Le gars m'a donné plein de choses, dont du plomb. Et chose intéressante, pourquoi je vous en parle aussi, c'est que moi je fais des lingots et lui il fait du minerai de plomb, on va dire. En gros, il coule le plomb, ça c'est de l'étain, c'est pour ça que c'est pas la même couleur. Là, il m'a filé, il y a du poids déjà et j'ai un gros bac avec du plomb. Donc il coule le plomb et il le fait couler dans de l'eau. Et ça fige en minerai. Ça fige en minerai, voilà, comme ça. Et franchement, c'est pas mal parce que quand on a à le mettre, à le peser ou à le mettre dans un four électrique, ça va fondre beaucoup plus vite qu'un lingot de 500 grammes. Donc merci à toi Noël. Je te ramènerai quelques ogives de mon cru. Vous pouvez voir ici mon moule Hollowpoint 9 mm avec la nouvelle peinture que je viens d'avoir, la Eastwood Ford Light Blue. Je vais faire une vidéo sur cette couleur-là comme j'avais fait sur l'autre. Et ici, on a les nouveaux moules 44 Magnum, pareil, avec le Hollowpoint très profond mais le bout arrondi. Je suis en train de préparer la vidéo, il me reste plus qu'à peser chaque ogive pour pouvoir mettre ça dans la vidéo. Autre nouvelle, il y a eu donc les vidéos sur la lampe Mini Péroun et la Odin de chez Olight. On avait un code promo, tout ça, de moins 30, moins 40%. Vous avez été nombreux à participer à ça. Bon, en même temps, c'est une super lampe, hein, la Odin, là. Je m'en suis encore servi ce week-end. Et grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter un chronomètre de tir. Un chronomètre de tir, c'est pour savoir combien de temps tu mets à tirer, à recharger, à faire des exercices au stand. Je vous ferai bien sûr une vidéo unboxing et une vidéo usage. Vous le reverrez de toute manière parce que quand je vais être au stand et que je vais faire des exercices, et sur les vidéos d'exercices que je vais mettre sur Patreon, il sera toujours là, quoi. Je vous parle d'Olight parce que Olight, voilà, c'est du bon matos, c'est du matos que j'ai. On m'a proposé de mettre en avant une autre lampe, on m'a proposé de mettre en avant des stages de survie, des machins. Quand c'est de la caille ou quand je vois que c'est un peu louche, qu'on essaye de prendre des adresses mail pour atteindre des trucs et des machins, je ne vends pas mes abonnés, je ne vends pas de la merde. Je ne mets pas en avant de la merde. Donc,
Vous avez remarqué que pour l'instant, en lampe, je ne parle que au light. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres marques, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres choses, mais je veux être sûr de la qualité de ce que je vous propose. Et il faut que j'y croie aussi, parce que si j'y crois pas, je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir sur Patreon. Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu et qui me donne 2 $ par mois. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à, par exemple, avoir un nouveau logiciel pour pouvoir faire un live sur 2 chaînes en même temps. Là, ce week-end, j'ai fait le test avec Pascal en mettant nos 2 appareils et tout. On a vu que c'était approximatif. Grâce à Patreon, j'ai pris un abonnement sur un autre logiciel qui va nous permettre de mettre la même image sur nos 2 chaînes. Et après, bon, c'est plus cher, mais peut-être que je prendrai, on pourra même faire sur 3, 4 chaînes différentes, ou alors sur Facebook et en même temps sur YouTube, enfin plein de choses. Je vous parle de ça parce que je vais faire le test avec survivaliste JCB qui m'a proposé un live avec lui sur le matériel qu'on utilise pour faire nos vidéos, le pourquoi du comment des vidéos. Vous allez certainement me demander pourquoi je monte pas ma tête et que j'ai flouté sur la vidéo du live. On pourra en discuter de tout ça à ce moment-là. Je vous montrerai aussi un peu le matériel que j'utilise. Vous voyez, maintenant j'ai de la lumière et tout ça là, j'ai des LED, enfin j'ai un drone. On reparlera un petit peu de tout ça, même si pour l'instant je me suis pas servi de tout et pourquoi j'ai ça aussi. Et d'ailleurs sur ce live, il va y avoir, je vais proposer à d'autres youtubeurs de venir parler aussi de leur expérience, parce qu'avec JCB, donc nous on a nos, on est dans un peu la prévoyance. Je vais voir avec Pascal, que je vous parlais tout à l'heure, si lui veut venir aussi nous dire un peu, nous montrer avec quoi il filme. Il l'a déjà montré lui un peu en vidéo, mais on pourra en discuter avec lui. 50 nuances de DC, pareil, le pourquoi, le comment, on peut discuter. Avec le nouveau logiciel là que je vous parle, on peut être à 10, donc pourquoi pas monter à 10. J'ai eu Christophe Black Wolf aussi, qui nous fait des super vidéos de randonnée et de bivouac dans la nature. Lui aussi, il a du matos, je crois qu'il a la même caméra que moi aussi. Donc, il pourra venir discuter avec nous, et il est tireur en plus. Donc, pour le coup, là, ça regroupe un peu. On expliquera aussi avec quoi je filme quand je vais au stand de tir, pourquoi, comment, quand je fais les shopping survivalistes, et ainsi de suite. Vous pourrez poser vos questions dans les commentaires, et il n'y aura aucun souci, voire même peut-être monter avec nous, on verra. De la peinture aussi qui va arriver bientôt. Pour l'instant, pas trop de vidéos d'atelier parce que je travaille sur l'atelier. Je suis encore en pleine évolution de l'atelier. Donc je vous fais beaucoup de bureaux en ce moment, et on va faire là, on va pouvoir reprendre le stand de tir. Une des prochaines, ça va être aussi le 20-20 chez Rockover. Pour les Glock, donc ça va arriver. J'ai déjà commencé la vidéo, elle va être longue un peu cette vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est très intéressant je trouve. J'ai fait tester ça à Pascal et à Noël, ils ont aussi trouvé ça plutôt pas mal. Ça peut pas tout faire, hein. Ça fait pas le café, mais par contre c'est relativement utile je pense. Donc merci à tous déjà de votre participation, d'être abonné à la chaîne. Cette chaîne, c'est surtout sur les abonnés, pour les abonnés d'ailleurs, qui vont suivre, parce que monsieur tout le monde va pas tomber sur cette vidéo par hasard, je pense. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Bon, celle-ci est pas très technique et pas très informative, mais d'autres vidéos sur comment couler, comment nettoyer, sur la radio et ainsi de suite. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Les abonnés nous aident à avoir des partenaires qui m'aident à vous montrer du meilleur matos. Patreon m'aide beaucoup aussi pour le matos. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir 2, 3 trucs que je vous ai déjà montrés en review. Et on continue comme ça. Si vous avez des propositions, alors des vidéos, j'en ai plein à faire, hein. J'ai plein d'idées, je les note au fur et à mesure. Mais si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.